nouvelle vidéo. Ouais. Donc c'est la dernière d'ailleurs hein, de notre voyage ici en Asie du Sud-Est. Donc là on est toujours à Kota Kinabalu, à Bornéo. Et on va aller à l'aéroport. Exactement. Donc là on va à l'aéroport pour la toute dernière partie de notre séjour. Direction Singapour. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner et activer la cloche de notification. Ouais, mais pour les prochaines vidéos de nos prochains voyages. Donc pour info, j'ai payé cette chambre 150$ pour une nuit. Et je sais que pour ce prix-là, on n'aura pas de chambre aussi grande à Singapour. Et bon, comme vous voyez, il y a même un balcon. C'est bon ou ça ressemble à l'épisode en Corée là où il y a... Pour être très honnête, pour ce prix-là, je pense pas que j'aurais trouvé mieux à Singapour. Donc on va essayer de profiter bien sûr de cette journée ici à Singapour et essayer de découvrir hein, tant soit peu la ville en un minimum de temps. Ouais. Allez, c'est parti. Donc là on va aller faire un petit tour dans le quartier. Il m'a l'air quand même assez joli. Donc... Donc là on retrouve les anciennes maisons de l'époque coloniale. Ben ici il y avait une très forte communauté Peranakan. Donc les Peranakan, c'est une communauté de marchands chinois qui a très longtemps prospéré pendant le 19e et 20e siècle, hein, qu'on retrouve notamment dans la péninsule malaisienne et également ici à Singapour. Alors là ici on voit un temple hindou qui apparaît, donc ça nous rappelle qu'ici à Singapour il y a une très forte communauté indienne hein, comme en Malaisie d'ailleurs. Juste devant on voit la mosquée Malabar Mosque. Et Malabar, si jamais pour votre culture générale, c'est pas une marque de chewing-gum, que son nom indique qu'elle a dû être construite par des commerçants indiens du sud, vu qu'ils venaient la plupart de la côte Malabar. Au Singapour, il y a quand même pas mal de petits endroits comme ça, jolis, sympas, un peu historiques, et moi j'aime bien un peu tout ce qui est historique. Donc Bugis, ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu le quartier majoritairement malais,
de Singapour. C'est le jour et la nuit, quoi, ici à Haji Lane. Là, on a trouvé un petit resto tranquille. Et voilà, donc là, ce soir, on va faire un peu plus classique. Hamburger et frites. Hamburger halal, bien sûr. Avec ketchup. Avec ketchup. Donc là, on vient de terminer de manger au restaurant. Donc, restaurant Ayam, juste au début de Haji Lane. Franchement, j'ai jamais mangé des hamburgers aussi délicieux, aussi juteux, franchement. Ouais. Ah, bien mangé, bien mangé. En tout cas, ici, c'est comme en Corée. Hein. Les gens, quand c'est rouge, même s'il n'y a pas de voiture, ils ne traversent pas. Hein. Donc là, pour ce soir, c'est fini. Ouais. Donc du coup, on a encore la journée de demain pour découvrir Singapour. Là, on a décidé de faire une petite pause en chemin dans un bar particulier. C'est la première fois que je vais dans ce type de bar, de ce type de café. Il s'agit d'un bar à chat. On a décidé, on s'est dit pourquoi pas. Ça coûte quand même 16$ hein, quand même l'entrée hein, par personne. Hein. 16$ singapourien, je vous laisserai faire le calcul. En tout cas, lui, il a l'air impassible. Le bar à chat, c'est un bar, hein, un café comme tous les autres. Hein. On vous sert des consommations comme ici. Sauf que ben, tout autour, vous avez des chats et on vient exprès ben, pour passer du temps avec eux et les caresser. Chers amis, nous voici arrivés ici à Chinatown.
Alors là, si vous voyez la tour là au milieu, elle est toute couverte de végétation. Singapour est aussi très connu pour sa multiculturalité, je vais y arriver. Donc un petit peu comme la Malaisie, hein, juste à côté, hein, avec plusieurs communautés qui cohabitent, hein, différentes cultures, différentes origines, différentes religions. Et disons que Singapour n'est pas non plus connu pour être un pays avec des tensions communautaires, en tout cas du moins pas ma connaissance. J'aime bien le concept de la tour là, tout vert, tout végétalisé. Donc là, juste derrière moi, un des emblèmes de Singapour, le Marina Hotel. Ah. 2230 chambres. Ah ouais! Singapour, ça a quand même de quoi nous impressionner. Hein. À la base, Singapour, lors de l'indépendance de la Malaisie, ça faisait partie de la fédération de la Malaisie, mais elle a décidé de quitter cette fédération et constituer son propre État. Donc l'État de Singapour qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est surtout, je pense, entre autres, grâce à sa position stratégique et géographique, qu'elle a pu prospérer grâce notamment au commerce international et à la finance internationale. Et du coup, elle est devenue la ville-État qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà la grande roue qui tourne, hein, mais elle tourne très, 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 très lentement. C'est bien, comme ça tu produis l'électricité pour toute la ville cette nuit, ok? Son bonheur. Et voilà, dernier dîner ici à Singapour. Dans trois quarts d'heure, on rejoint l'aéroport. Du coup, voilà pour la fin de ce voyage. Et voilà donc notre avion pour le retour à la maison. Prêt pour le retour. Prêt pour le retour, exactement. Donc triste, mais bon, on a passé deux super semaines ici en Asie du Sud-Est, à Bornéo et à Singapour. On a rencontré des gens intéressants, on a vécu des belles expériences, hein, Samy. Ouais. Des belles découvertes aussi. Toutes les bonnes choses ont une fin en tout cas. J'espère sincèrement que ces vidéos vous ont plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications sur mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.